Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog itisandfrappe.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Cooking Simulator, donc sur PC, un jeu édité par Playway SA, développé par Big Cheese Studio, sorti le 6 juin 2019. C'est un PEGI 12 et c'est un cadeau de Christ007. Encore une fois, merci à toi. C'est reparti, comme il dit, le fameux jeu du mois. C'est parti, je vais lancer le jeu, on va voir si tout va fonctionner correctement. Oh, ça se lance tout de suite, c'est beau, c'est bien. Big Cheese, donc comme je disais, Playway. Et... donc, l'objectif de ce jeu, c'est un simulateur de cuisine. Alors, simulateur avec, vous savez, les fameux guillemets, comme on dit, hein. Et on va essayer de faire au mieux pour préparer de bons petits plats. C'est pas gagné, forcément, hein. J'ai encore jamais touché au jeu. Et je sais pas du tout comment ça fonctionne. Enfin, pas du tout. Si, j'ai vu 2-3 personnes y jouer rapidement. Mais je sais pas vraiment ce qu'ils vont nous proposer dedans. Le son est vachement fort, non? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a de la français quelque part? Est-ce que c'est mieux? Là, ça m'a l'air correct. Cooking Mamas ADS pour un jeu de cuisine. Oui, parce que ça peut être violent, apparemment. Ok, ok, ok. Non créative. On peut jouer à plusieurs. Sympa là qui propose QWERTY AZERCY. Au niveau des options. Asie O. Oh. Anti-aging haut. Je sais pas à quoi ça correspond. Flou lumineux, plein écran, résolution. On va laisser le flou lumineux. Je sais pas si c'est un flou de mouvement ou si c'est vraiment un flou lumineux. Le flou lumineux en général est plus joli. FOV, on mettait à 90 parce qu'on le vaut bien. Avec un effet fisheye, comme vous les aimez pas, n'est-ce pas? Sensibilité de souris, on va laisser comme ça. Vitesse du texte 1. Toujours regarder un peu les options quand même. On laisse tout comme ça, c'est bon. Peut-être qu'il faudrait d'abord que j'essaie l'école de cuisine, non? Je crois qu'on va essayer d'avoir l'école de cuisine. La radio en ligne? Comment ça? Salut Yvni, comment vas-tu? Tenter l'école de cuisine, assaisonnement. Allez, on va prendre les bases. On va les faire tous les uns à la suite des autres. Comme ça, au moins, je saurai jouer. Alors, c'est la patronne m'a demandé de t'apprendre un truc ou deux. J'espère. On dirait Gordon Ramsay. Comment il s'appelle ce mec? Celui qui. C'est pas Gordon Ramsay qui s'appelle le mec? Non, la même chose, bah, je vais t'apprendre comment on achète les produits, les récipients et comment on transporte les choses sans perdre trop de temps. Je vais m'accroupirer. C'est un peu trop le FOV là, non? Essaye de ne pas faire faillite dans la cuisine, à pratiquement tout coûte de l'argent, les assiettes, les produits et surtout les réparations. Ne te prends pas plus que ce dont tu as besoin et surveille ton solde. Si tu as court d'argent, c'est la faillite. Ok. Ah, faut que je prenne une assiette. Tu peux transporter plusieurs objets, ça fait gagner beaucoup de temps. Encore toi un chef à part entière, mais tu seras au moins utile à la cuisine. Bien joué. Je pense qu'on risque de passer un... Attends, j'ai fini? Bon début. Ah. Je pense qu'on va peut-être réduire un tout petit peu la FOV. Donc faire les achats, on l'a fait, attendez. Parce que là, ça me paraît vraiment... vomitif. Toc, toc, toc. École de cuisine, deuxième niveau, faire les achats, donc couper. Merci, un petit en chatin. En leçon d'aujourd'hui est très importante, alors fais attention. La leçon, pardon. Je vais t'apprendre à couper les produits, c'est facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Alors entraîne-toi pendant quelques heures avant
avant, dans quelques heures, quand on aura fini. Ah, d'accord. Ok. Toc. Manipulation précise des outils dans la cuisine, très important. Maintiens la touche Shift enfoncée pour ouvrir les nouvelles façons de manipuler tout ce que tu as actuellement dans la main. Sérieux? Mais... Ouais, mais comment tu veux que je fasse? Déplacer verticalement? Ouais, d'accord, ok. Mais c'est quoi ce couteau qui coupe pas? Ouais, d'accord, que ça coupe pas? Ok, t'as pas de temps à perdre, je suis d'accord, mais comment je fais moi pour couper? Attends, ah ça y est! Faut d'abord que je clique dessus et ensuite je découpe. Ah bah voilà! Ça y est, j'ai compris! Bon travail, bien sûr, il me faudra un peu d'entraînement pour obtenir la quantité exacte de morceaux à chaque fois. Alors profite de chaque moment de libre pour t'entraîner, t'entraîner et encore t'entraîner. Ok, c'est bon. J'ai compris, faut d'abord cliquer dessus et ensuite... Non, parce que d'accord, ça coupait pas sinon, hein? Oh, pas se foutre de moi non plus. Couper, assaisonnement. Utilisez des puces sur les produits. Coucou Pio, comment vas-tu? Assaisonnement. Allez hop, c'est parti. On verra comment on s'en sort après. Hein. La leçon d'aujourd'hui est courte, mais les compétences que tu vas acquérir détermineront si tu vas avoir des pourboires ou si tu vas devoir te battre avec les clients pour qu'ils te payent. Ok. Ok, vas-y, continue. Apprenons les bases et comment assaisonner la nourriture. Oui, monsieur, vas-y. Je suis prêt. Vise le bocal de sel, regarde le numéro dans l'étiquette, il indique combien il reste d'épices dans le récipient. Maintenant, prends-le, il reste 500 grammes, ok. Maintenant, vise le saumon et utilise le bocal pour passer en mode saupoudrage, ok. Toc. Allez, faut que je mette combien dessus? C'est facile, n'est-ce pas? Ça devient beaucoup plus difficile lorsque le produit est coupé en morceaux. Pour ça, il faut mieux s'entraîner. Ok. Je sais saler du saumon! Exemple de plat. Guide comment élaborer un servir un et servir un repas. Allez hop, on y va, ouvrir. Sur le stream, il n'y a pas de souci, monsieur. Je pense qu'il est temps de servir ton premier plat. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te guider tout au long du processus. Ceci n'est pas un test, mais si tu rencontres des difficultés pour exécuter une des tâches présentées, essaye l'une des leçons précédentes. Ok. Ok, d'accord. Bon, allez. Ta commande sera un steak avec des frites en accompagnement. Simple, mignon, c'est. Il n'y a pas de client qui attend pour l'instant. Tu peux donc prendre ton temps. Ok. Regarde derrière toi, c'est la fenêtre de caisse. Une fois que tu as terminé, tu dois poser la commande sur le comptoir et utiliser la tablette pour confirmer. Ok. Comptoir. Tablette pour confirmer. On va déplacer les ciseaux aussi. Regarde quand tu as commandé un plat. Chaque fois qu'un client commande quelque chose, tu en seras averti dans le coin supérieur gauche de l'écran. Les notifications apparaîtront également lorsqu'il ne te restera plus qu'une minute pour terminer un plat. Lorsque tu es légèrement en retard ou qu'un client décide de ne plus attendre ou de rentrer chez lui, alors au travail. Prendre steak. Steak, pomme de thé à brin de romarin, sel, poivre noir. Ok, là. 4 grammes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, comment je fais? Retour. Toc. Poivre, faut combien? Il m'a dit combien pour le poivre? C'est le 4 grammes. On va mettre 4 grammes aussi, hein, j'ai l'impression. Ok, d'accord. Toc, toc, j'ai plus le droit d'aller là-bas.
Ok, maintenant il faut réchauffer. Allume la plaque de cuisson, se trouve à côté du frigo. Pointe le steak pour voir son état. La barre verte indique si la nourriture est cuite. L'icône avec la petite poêle. Mince! Sur la spatule, vise la plaque de cuisson. Maintenir la bouston. Voilà. Ok, c'est pas ça. Attends, c'est quoi cette arnaque? Commande. Faire tourner. Ok. Et donc, attends, shift. C'est pas gagné. Viens là. Je vais t'avoir, toi. Ah, je sais pas les sons de plus. À moins que. Attends. Waouh, c'est magnifique. Attends. Je vais y arriver un jour, je vais y arriver. Ah, voilà, voilà. Tiens. Qu'est-ce que je fabrique, moi, là? Je peux poser ça où? Ah, mais attends. Mais comment je peux poser ce machin? Ah. Oh, plus zut. Vas-y. Pose assiette pour l'instant, d'accord. J'ai bien me... Ok. Ensuite, faut que je fasse quoi? J'ai posé l'assiette, c'est bon, on l'a posé l'assiette, là. Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Tu peux me redonner le tuto? Prends la planche et découper, d'accord? Et acheter de pommes de terre, ok. C'est laborieux comme vous dites. Attendez. Salut Aklis! Comment vas-tu? Bah ça va bien, Limpo, je te remercie. Enfin, Kyo, pardon. Catastrophe, je te réponds trop vite. Qu'un bon vétérinaire pour réanimer cet animal. Oh! C'est nul blanc, hein. Coucou Dildo! Un jeu sur, la bouffe. Bah oui! Coucou Isiel, comment ça va? Tu vas te régaler. Baisse la spatule avant de retourner. Ok. Donc, je sais plus combien il m'a dit de prendre de patates. Deux patates? Ça y est. Maintenant, remêlez sur le plan de travail, il faut qu'on les coupe. Ok. Il te faut le couteau, ok. Patate, il faut 10 morceaux. Attends, est-ce que c'est 10 morceaux de chaque ou 10 morceaux... Je peux poser le couteau. On le range là-dedans. Dirige-toi vers la friteuse. Alors, remplir d'huile. Ok. Tu peux l'allumer en appuyant sur le bouton sur le devant, d'accord. Toc. Il y a un panier avec la friteuse. Prends-le, d'accord. Prends tous les morceaux de pommes de terre, d'accord. Non, mais attends. Pourquoi lui est tombé par terre? D'accord que c'est posé n'importe comment, là. En fait, j'ai l'impression que le truc est dans la friteuse. C'est pas censé s'arrêter là, sur le rebord. Faut que j'attende combien de temps? Pour qu'elle soit cuite. Au secours. Non mais non, il est là. Non.
Donne-moi les patates. C'est mes morceaux de patates, je les veux. Attends. Va tourner vers l'avant. Non, non, c'est pas ça que je veux. Attends, 30 secondes. Tu sais quoi? Ah d'accord, c'est pour ça! C'est pour ça! Toc, on l'éteint. Ah mais j'ai pas le droit de la prendre comme ça. Toc. Viens là. Voilà, j'ai mes patates, c'est bon. Avec deux brins de romarin. Ils sont les brins de romarin. Ils sont là. 1, 2. Servir ton plat, je suis curieux de savoir comment ça va se finir. Mal. Finir. Mal. Servir le plat, steak frites. Voyons voir. Le goût. Ça laisse à désirer le goût. En même temps, j'ai trop fait cuire le steak. Senpai. Ça a drôlement changé DMC, oui. On l'a terminé hier. Non sans difficulté, mais on l'a terminé. Assassin! Non, c'est faux, patates! Elles étaient, comment dire, elles ont donné leur corps à la science dès le départ. À la cuisine, pardon. De combien de fails, visiblement? On a 140, j'ai noté hier. Alors, je sais pas combien de fails on a fait uniquement sur Vigil, mais on a fait 143 fails sur Devil May Cry 3, en entier. C'est DJ One, comment vas-tu? Donc, ça, c'est fait. Renommé, le client a payé. Donc, goût, détermine par la qualité. Alors, attendez, renommée. Combien de points de renommée as-tu obtenu pour ce plat? Plus le restaurant est bon, plus la qualité des plats que tu prépares doit être élevée pour gagner de la renommée. Des repas mal préparés feront jeter ta renommée. Ok? Déterminé par la qualité des techniques et thermiques du plat. Combien de points te faut-il pour pouvoir apprendre à cuisiner de nouveaux plats? Mieux tu cuisines, plus tu pourras débloquer de nouvelles recettes rapidement. Le client a payé. Somme payée par le client pour le plat, pourboire. Donc, ça, c'est ça, en fait. 45, 7 de pourboire. 5 $ d'assiette retournée, ok, un signe que le client a apprécié le plat. Le client est satisfait. Arôme, frites. Il n'y avait pas assez de sel sur les frites. Ok. Température, parfait. Donc il manquait du sel sur les frites. Ok. Un plat complet. Alors comment tu te sens prêt à relever le défi tout seul? Sinon tu peux re toujours revenir pour une leçon ou deux. Bon bah je crois que j'ai réussi, j'ai soif. Voilà. Je suis désormais un professionnel. Non, c'est 45 cents, je crois. Je suis pas sûr que ce soit des euros dans le jeu. Parce que bon, t'imagines, 3 euros la tomate. Ce sont des potatoes version McDo. Eh, hey, oh, monsieur. Je suis pas sûr qu'on puisse couper des frites vraies. Des vraies frites de chez vrai. Bon, en 18 minutes, j'ai appris à préparer un plat. Félicitations, moi. Attendez, on va prendre les petites gélules. C'est fait par IT aussi, ça veut dire quoi ça? Salut Yura Cosplay, comment vas-tu? Je vais bien aussi de mon côté, je te remercie. Toc toc toc. Je crois qu'il y avait un poil dans mon verre, bref. Tous les achats, oui, ouvrir. Je t'ai déjà montré comment on achète des produits sur les étagères, parce qu'on ne peut pas tout trouver qui traîne. Parce qu'on ne peut pas tout trouver dans ce qui... Okay. Ouais, d'accord, aujourd'hui tu vas apprendre à acheter tout ce dont tu as besoin, et même plus. Tu vois ce carton? Va jusqu'à lui. Où ça, un carton? Ah, ça doit être lui. Pas placé au bon endroit. Sont divisés en 4 catégories classées par défaut par ordre alphabétique. Les épices et liquides ne peuvent être achetés qu'ici et seulement en grande quantité. Alors sois prêt à payer une belle somme. Mais il y a 2 tonnes de trucs. Si tu as du mal à retrouver les ustensiles et de tes casseroles. Et de tes casseroles. Non, non, à retrouver tes ustensiles. Tu peux en acheter d'autres à partir de l'onglet ustensiles. La qualité se paye maintenant. On va dans l'onglet liquide. Attends, je vais regarder ce qu'il y a. Et du fromage de chèvre, filet de porc, filet de saumon, fusilli. C'est quoi les fusilli? Je sais même pas ce que c'est. Ah d'accord, ok. D'accord, merci à Clich. Oui, j'ai remarqué, c'est bon, ouais, tu vas te calmer, pépère. Non mais oh.
Il faut que j'aille te prendre juste, je vais craquer. Mais moi aussi, je vais craquer, mais j'ai pas ce qu'il faut. Oui, j'ai vu. Alors attends, épices. Ah, mais je suis plus cliqué sur liquide en fait. Beurre clarifié. Mais je sais même pas tout ce que c'est que ces trucs. Bouillon de poulet, crème fraîche. Les onglets au bas du menu déterminent. Ok. Ah, le classement. Alors, AZ, et prix. Le miel coûte le plus cher. Les produits doivent maintenant être triés par ordre décroissant de prix. Au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué, les prix sont indiqués dans l'extrême droite en vert ou en rouge. Si j'ai pas assez d'argent, j'imagine. Je veux que tu sélectionnes l'huile d'avocat sur la liste. L'article, tu quittes la boutique. Tu ne peux acheter qu'un seul article à la fois. Cette fois, pas l'astuce avec un récipient. Ah, ok. Ok. Je peux ouvrir la bouteille. Ok, d'accord. Je sais même pas si je peux la poser quelque part ou pas. Bon, voyageons à travers la cuisine et les contrées sauvages. Peut-être qu'après ça, je serai meilleur cuisinier. Fusil des pâtes, je dirais. Waouh, aujourd'hui, je vais te faire. Putain, mais il y a tout ça. Faire un tour rapide. Un tour rapide de la cuisine. Reste concentré, tu dois te retenir tout ça. Il n'est pas possible que tu aies à la recherche de. Alors, va jusqu'au marqueur, je suis là. Ok. Tu y trouveras principalement des légumes, des fruits, du pain et des petits pains. Certains produits doivent être débloqués en apprenant de nouvelles recettes. Ok. Oh. Ok. N'oublie pas que tu vas devoir payer les produits et n'oublie pas d'apporter un récipient si tu veux transporter plus d'un produit à la fois. Ok. Ok, c'est bon, c'est noté. Ici, tu trouveras des piles d'assiettes. Encore une fois, tu devras payer pour chacune d'elles. Une fois les plats servis, le prix de l'assiette sera ajouté à ton compte. Tu peux aussi utiliser les assiettes pour transporter les objets jusqu'à la cuisine. Mais attention, elles se cassent facilement. Ok. Les cartons sont encore plus importants. Tu as du mal à trouver quelque chose, tu les trouveras dans un carton. Ces étagères sont utilisées pour stocker les fines herbes. Comme tout le reste, les fines herbes doivent être achetées. Tu paieras pour chaque brin ou feuille que tu prendras. D'accord? Ça, c'est le frigo. Ici, tu peux acheter du poisson, de la viande, du fromage et des fruits. Certains produits sont cachés dans les tiroirs en bas du réfrigérateur. Ok. Va jusqu'au marqueur suivant. La gazinière est ta meilleure amie. Tu peux y faire bouillir, frire et même griller. Si tu as la bonne casserole, bien sûr. En dessous de la gazinière, il y a même un four de secours. Ok. N'oublie pas que les casseroles et les poêles sont en forme. Sont de forme et de taille différentes. Ce n'est pas parce qu'il y a 6 feux que tu dois mettre 6 casseroles au poêle en même temps, d'accord. Si tu veux, tu peux couper sur n'importe quelle surface plane. Attrape simplement un couteau, mais il faut quand même mieux utiliser une planche à découper. Pourquoi? On ne sait pas. Sur l'étagère en dessous, tu trouveras des poêles et derrière toi. Derrière moi, un monstre! Il y a des casseroles sur l'étagère près du sol, d'accord. Si tu ne ressens pas le besoin de te préparer avant la journée de travail ou si tu as terminé, tu peux utiliser l'horloge pour sauter les phases de préparation au début et à la fin de chaque journée. Va jusqu'au marqueur suivant. Tu utiliseras le robinet surtout pour remplir les casseroles. La plupart des recettes supposent que tu tout utilises de l'eau froide. Alors ne t'approche pas de cette poignée rouge sauf indication contraire. Ok. Le four sert pour la cuisson. N'oublie pas d'utiliser des plaques de cuisson, tu peux les trouver à droite. Ok. Le bouton du haut allume et éteint le four. Celui du bas permet de régler la température. Le temps des cuissons correspond au premier réglage. Alors fais attention à ne pas faire brûler ton plat. Cuisson. J'ai pas tout compris. Ce sont les friteuses, elles sont vides. Tu dois appuyer sur le bouton de gauche pour les remplir d'huile. Le bouton de droite sert à vider le réservoir. Oh, et n'oublie pas d'utiliser les paniers pour la friteuse, à moins que tu ne souhaites te brûler au troisième degré. Ouais! Bon, ça, c'est assez évident, le grill, c'est pour les grillades, mais n'oublie pas de retourner ce que tu fais cuire, la plupart des recettes l'exigent. Grill party, tous les après-midi, c'était le bon temps. Regarde la casse. Ah, attends, on n'y est pas encore. Hein. Faut que je mette pause. Combien est la septième casse sera-t-il? Ah, attends, on n'y est pas encore! On va venir te péter la gueule, c'est ça. Je pense que ce que tu achètes par le carton, tu peux le ranger pour l'utiliser plus tard, d'accord.
faire des pattes. On va voir. Se faire un banquier, c'est vrai. Ultarek qui te font. Encore une fois, c'est pas des euros. C'est une monnaie particulière. Et alors, on peut regarder le dos des post-it. Salut Raphaël. Je vais bien et toi? Toc toc toc, voir. Ah, je peux pas la regarder pour l'instant. Le robot culinaire, mets les ingrédients à l'intérieur, appuie sur le bouton et hop, tu as un mélange liquide, tu peux toujours y goûter si tu as oublié ce qu'il y a de l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur. Le four à micro-ondes, je ne sais pas ce que cette chose fait dans la cuisine respectable, le mieux c'est d'oublier ce qu'il y a ici. Ah. Ok. Et ça, ça montre pourquoi cet établissement a failli fermer ses portes. Le dernier cuisinier n'a même pas pris la peine d'apporter des fléchettes à la place. Il lançait des couteaux. Pathétique. Bat mon record. Bat jusqu'au marqueur suivant. Attends, attends. Bat mon record. Celui-là, c'est mon préféré. Qu'est-ce que c'est que ces post-it? Tu peux utiliser n'importe quel écran de la cuisine pour vérifier tes commandes en cours. Le temps restant et les détails de ta recette. Ils sont vraiment utiles. Ok. On trafique ça pour pouvoir regarder... des jeux le dimanche, ok. Jusqu'au marqueur suivant. Ça c'est ton bureau, la radio a l'air vieille, mais détrompe-toi, tu peux la configurer pour lire tes propres MP3 et même tes stations de radio internet. Ah bon? C'est bon de créer une station de radio FTJ. L'odeur portable ne fera... Non, ordinateur... Alors, l'odeur portable ne fera pas la cuisine à ta place, mais t'aideras à gérer cet endroit, je suis sûr que la patronne t'expliquera tout en détail. La patronne? J'ai une patronne, c'est pas moi le patron? Le téléphone te servira si quelque chose tombe en panne. Prends-le et dirige-toi vers l'appareil qui doit être réparé. Ok. Choisis soigneusement le service de réparation, vite et pas cher. Ce n'est pas un bon signe, ça. Ce n'est pas un bon signe. Ça pourrait ne plus marcher avant même que le réparateur ne soit parti. Jouer à des jeux pendant le travail, c'est marrant. Tu vas avoir besoin de ces numéros. Ça t'aidera à rester en bonne santé mentale. Et ça, c'est la caisse. Pose ton plat sur le comptoir et sélectionne sur ta tablette la commande que tu es sur le point de servir. Ne t'embrouille pas. Une fois que c'est parti, c'est parti. Y'a quoi au-dessus? Ah d'accord. Mets jusqu'au marqueur suivant. Et la dernière station, c'est la poubelle. Si ce n'est pas bon pour, si ce n'est pas bon pour toi, ça n'est pas non plus pour tes clients, n'oublie pas. Bon, c'est juste un petit tour, mais j'espère que tu as appris des choses. Un vrai chef a besoin de connaître sa cuisine à fond. Et moi, je sais ce que je vais cuisiner. Je vais cuisiner des Kinder! Parce que c'est bon. Je connais la théorie, voilà. Je sais plus, il y avait un truc... J'avais vu une photo d'une page qui avait été faite sur internet, enfin qui avait été mise quelque part, je sais pas où, mais j'avais trouvé ça rigolo. La théorie, c'est quand ça marche dans l'idée, mais que la pratique, rien ne fonctionne. La pratique, ou je sais plus quoi, non, la théorie, c'était quoi le truc? J'y avais un truc comme ça, la théorie, c'est quand ça doit marcher, mais rien ne fonctionne en pratique, ou un truc comme ça, et... Et ça suivait, et j'arriverais pas à raconter comment c'était. Il y avait un deuxième étape, genre la pratique, c'est quand... Tout fonctionne, mais que ça ne devait pas fonctionner à la base, un truc comme ça, ou que la théorie ne fonctionnait pas. Je sais plus. C'était quoi cette phrase? Je sais plus. Il me la faut. Allez, je vais la chercher, ce qu'il me la faut. Ah non, la théorie, c'est quand tout fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà! Apparemment, c'est d'Albert Einstein, cette phrase. La théorie, c'est quand on sait et que tout... et que rien ne... Non, la théorie, c'est quand on sait que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Et j'ai trouvé ça super joli. Merci, Suliv. C'est Shinodokai, comment vas-tu? Par Kinder. Ah, j'aimerais bien. Franchement, s'ils pouvaient me sponsor et qu'ils m'envoyaient les Kinder, j'adorerais ça. Mais... Voilà. En gros, on fait un deal. Ferrero, si vous le voulez bien, vous me sponsorisez et vous voyez de quoi manger en continu sans me payer. Hein, juste de quoi manger. Tant qu'il met pas le feu. Attends. Donc, j'ai tout fait, ça y est. Ok. Mode sandbox, ok. Bon, bah, nouvelle partie. Après 29 minutes de jeu, de live. Bienvenue dans la... Bienvenue dans là. Ok, là. Bienvenue dans là.
On va dire que c'est un prénom là. Bienvenue dans là. Bienvenue dans Cooking Simulator. Comme tu as déjà pu le remarquer, le restaurant dans lequel tu traftoyes. Maintenant, n'est pas le mieux noté. Votre devoir consiste à lui rendre son ancien prestige et lui permettre d'atteindre le plus haut niveau. Le chef précédent a laissé la cuisine couverte de post-it. Peut-être qu'ils te serviront. Bonne chance. On vient de le faire, le tuto, non? Non, c'est le chocolat qui m'aime. Merci la citation, Sulib. J'ai adoré cette phrase-là. Veux-tu suivre ce tutoriel? On est dans un jeu. Il n'est pas censé y avoir les fautes d'orthographe dans un jeu, qu'on se le dise. Si vous avez déjà fait, c'était lequel? Mystic Quest sur Game Boy. Le jeu est bourré de fautes d'orthographe. Je pense que c'était pour... Ils ont tout réduit, ils ont écrit ça en SMS pour que ça rentre dans le... Dans le... Bon, désolé, hein, Kinder, mais comme tu fonds, je vais trouver de te bouffer en entier. Voilà. Qu'est-ce qu'une brigade? T'as raison, Isidore. Non. Les couteaux, ça coupe, tu en sais quelque chose, pose un produit, prends un couteau et sois optimiste. Ma copine dit toujours, la forme n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est la taille. Fais juste en sorte que personne ne s'étouffe. Ok. Désolé, mais ce qui est ici, y est pour de bon, c'est notre politique. Alors réfléchis à deux fois avant de jeter quelque chose, le client ne vont pas payer pour que les choses que tu as jetées, d'accord? Ok. Une fois que tu as terminé un plat, apporte-le ici, choisis la commande que tu souhaites envoyer au serveur, mais n'oublie pas de prendre d'abord une photo. Ne t'inquiète pas, ça ne ressemble pas exactement à la photo de la recette. J'ai entendu dire que c'est des fake photos générées par ordinateur. La résistance est vaine, il n'y a pas d'issue. Vous êtes foutus, camarade. Plus à la fois, prends un récipient. Si tu n'aimes pas courir à travers toute la cuisine avec juste une tomate dans la main, prends un récipient ou un bol avec toi, ça te fera gagner beaucoup de temps. Ouais! Ici, tu trouveras tout ce que tu veux. Tu trouveras. Je me demande bien comment ces cartons peuvent contenir autant de choses. Mais si tu envoies un qui se sauve, mieux vaut tout simplement l'ignorer. Ok, d'accord. Ils peuvent s'échapper, c'est ça? Il n'y a pas de truc sur le frigo? Non. Je peux utiliser le balai. Alors. Ici, tu sais, tu fais surtout revenir la viande et le poisson. Tout ce qui ne nécessite pas d'huile. N'exagère pas et ça devrait aller. N'oublie pas de retourner les produits si c'est indiqué dans la recette. Ce serait bien de maîtriser la spatule. Ok. J'en suis à combien avant le lancement du... 2 minutes 20. Ça avance, on est d'accord? Ouais, 2017. Tu ne peux pas remonter le temps. Mais ce que tu peux faire, c'est le faire avancer. Ouais! Si tu sens que tu as trop du temps libre, tu peux accélérer ou sauter entièrement une étape, mais ne te plains pas de ne pas avoir assez de temps pour préparer. Ok. Servir des aliments brûlés, c'est pas bien. Mais servir des aliments pas assez cuits, ça peut être encore pire. Ça arrive que tout ne cuise pas de manière uniforme. Repère les parties qui ne cuisent pas aussi vite que les autres. Tu peux toujours agrandir la vue sur ton récipient pour voir le stade de cuisson de chaque endroit du produit l'un séparément. Un truc dans le genre. Ensuite, là, il n'y a pas de post-it. Tu sais maintenant comment nous avons perdu notre prestige et notre four. C'est à toi de réparer les deux. Le four est facile à utiliser. Je te conseille d'utiliser ces plaques de métal. N'oublie pas de toujours préchauffer le four avant d'y faire cuire quelque chose. Ah, je pouvais le laisser, d'accord. Ah mince, mince, j'ai pas lu. Mince. Grille partie, ok. Ce que tu es en train de regarder, c'est un équipement de qualité militaire soviétique. Il est impressionnant, pas étonnant qu'on puisse faire cuire la viande dans 5 secondes, mais ne la laisse pas trop longtemps. Oh, et le moyen le plus viril de retourner la viande, c'est d'utiliser des pinces, pas la spatule. J'ai pas de pinces. Assiette à soupe. C'est mon préféré. Il suffit de tout mettre à terre et de l'allumer. Maintenant, tu peux dire qu'il y avait là-dedans, ce qu'il y avait là-dedans, il faut juste donner du goût. Mais éteins les lames d'abord si tu ne veux pas perdre une deuxième main. Une deuxième main. C'est bizarre. Bah, mon record. Si tu t'ennuies, tu peux t'entraîner au lancer de couteau. Dans 501, tu peux effectuer 30 lancers. Dans 501. Je pense que c'est pour passer de 501 points à 0. Dans 30 fois, tu peux effectuer 30 lancers et tu dois obtenir le plus de points possible. Mon record, c'est de 600. Essaie de me battre. Mais ne triche pas. Tu dois te tenir à une certaine distance et la lumière doit être verte. D'accord? C'est quoi ce truc? Ah, c'est le score. 1 minute 38, ça, on est large.
Non mais sérieusement, ne fais pas ça, ces écrans sont vraiment utiles. Alors c'est écrit quoi d'abord? C'est écrit un trafic ça pour pouvoir regarder les jeux le dimanche. Tu sais ce que les clients ont commandé et combien de temps il te reste. Et le mieux, c'est que tu n'as même plus besoin de mémoriser les recettes, tout y est, y compris les photos des plats. J'aurais laissé tomber ce travail au bout d'une semaine s'il n'y avait pas Hola Bossa Nova. Il y a de la musique téléchargée, mais comme chez toi, on ajoute la tienne. Et ajoute, non, on fait comme chez toi et ajoute la tienne. Je trafiquais et la vieille radio pour qu'on puisse aussi écouter les stations de radio sur Internet. Ok. C'était marrant jusqu'à ce que la police attrape pour avoir piraté des jeux. Maintenant, il ne reste plus que les trucs barbants, finances, recettes, décorations. Le responsable a installé un logiciel d'auto-perfectionnement, mais moi, ça ne me plaît pas. Ok. C'est une vraie cuisine, les choses s'abîment sans arrêt. J'ai ajouté les numéros des réparateurs des moins chers dans la mémoire du téléphone. Ne me remercie pas, réfléchissez à deux fois avant de faire appel au moins cher. C'est bon, j'ai tout vu? Ça fonctionne comment ça? A, Z, Q, S, ok. Commande avancée, shift, lâcher, réaménagerie, faire tourner, déplacer verticalement. Ok, bon, on va le poser là, ça. Donc je sais comment ça fonctionne, d'accord. Là-dedans. J'ai des pavés de saumon, filet de saumon, ok, d'accord. Et de ce côté-là, j'ai bouillon de poulet, crème fraîche, ok. Là, j'ai piment de cayenne, poudre, réfort séché, sel, poivre noir, aneth séché et thym séché. Là, j'ai que des feuilles de persil fraîches. Persil, pardon. J'ai envie d'éternuer. Cheddar et oignon. Ah, non, et oh. Et faut voir si je mets la radio. Est-ce que ça se lance ou pas? Cooking Ska Jazz. On va quand même laisser la musique, hein. Il nous faut de la musique. 17 secondes avant le début de la journée, 14 secondes. On y est, c'est parti. Jeu de fléchettes, d'accord. Je connais pas du tout les fléchettes, donc j'ai joué, mais jamais avec des règles concrètes, quoi. Tu es niveau 8. Félicitations. Nous venons d'ouvrir les portes. Les premiers clients ne devraient pas tarder à arriver. Ok. Nouvelle commande. Ok, c'est quoi nouvelle commande? Ils veulent que je fasse quoi? Fruits au four. Prendre truite 200 grammes. Assaisonner avec poivre noir. Alors, il nous faut une assiette. Attends, il me faudra quoi comme type d'assiette? Dans une assiette de base. Ok, il me faut ça. Ensuite, on va s'éloigner un petit peu du four. Faire du frigo. Il me faut un truc de truite. Truite. C'est bon. Fais gaffe, voilà. Truite 200 grammes. Je sais pas si j'en ai pris une de 200 grammes. Fait combien un truite 200 grammes? C'est bon. Assaisonner avec. Donc il faut du thym, du poivre, du thym et de l'aneth. Je vais les ramener ici, je pense. Poivre. J'ai 6 minutes pour le préparer. 5 grammes. Toc. Ensuite, il me faut du thym. Ah, si tout va bien se passer, on y croit. Aneth, thym. C'est combien? Thym, 5 grammes aussi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? On y est, on y est. On repose. Ensuite, il nous faut de l'aneth. Aneth. Toc. On y va, on y croit. Toc. Combien? 5 grammes aussi? Je vérifie au cas où, hein. Alors je vous préviens, moi qui suis. 1, 2, 3, 4, 5. En général, quand je fais la cuisine. Attends, il y en a un qui a pas marché ou quoi? Mais non! D'accord, c'est 5. Faut que j'aille doucement. Ok, ensuite. Peut-être que j'ai salé l'assiette en fait. Ça se trouve, j'ai salé l'assiette. Placer sur une plaque de four.
On va suivre la recette à la lettre, hein, d'abord. Hop là. Ensuite, faire cuire au four pendant 90 secondes. On n'a pas la température. Réfort séché. Faire cuire au four pendant 90 secondes. Bon, on sait même pas à quelle température. Normalement, ils ont dit faire le four. Allumer le four d'abord. Attends. Parce qu'il faut pas d'abord que j'attende que ça soit bon. Il me reste. J'ai déjà passé 3 minutes à faire ça! Mais quelle arnaque! Comment je fais pour faire cuire tomber de l'eau? Poignée gauche, poignée droite. Non, mais arrête ça! Arrête ça, c'est bon! Comment je fais pour arrêter l'eau? Sérieux? Attends, attends. Comment je fais pour arrêter l'eau? Attends. Arrête, elle s'arrête plus, l'eau. Ça doit être un bug, c'est pas possible. Ouais, d'accord que c'est... Là, toi. Arrête, c'est quoi cette blague? Voilà. Ça en met là pendant. On avait dit 90 secondes. Donc règle la minuterie. 90 secondes, c'est. 1 minute 30. Comment je fais pour la lancer? Est-ce que je l'ai démarré le truc? D'accord qu'il tourne pas le truc là. Hein. Sérieux? Est-ce que je peux recommencer ma journée? Parce que ça c'est super chiant. On est d'accord qu'il y a un bug là. Hein. Eh sérieux, je vais recommencer, c'est pas possible. T'es sûr que c'est le shot qui tourne? Bah non. J'ai un bug, regarde, les deux robinets sont coupés, je pense. Hein. À moins que je fasse. Attends. Je crois que je vais recommencer. Faut que je... Attends, je vais recommencer, je pense, et je vais essayer de voir. Parce que ça, je comprends pas comment ça fonctionne. Parce que là, après, j'imagine que, voilà, elle est carbonisée, ma truite. Mais, ça s'ouvre ou pas, ce truc? Je comprends même pas comment ça fonctionne, leur histoire. Par contre, je vais prendre la plaque de four. Comment on fait pour activer ce machin? Bon, ça va être en retard. Je crois que je vais recommencer. Parce qu'il y a 6 minutes 18. J'aimerais comprendre comment fonctionnent les minuteurs. Règle la minuterie. Ah! Faut appuyer sur E. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Nos unités cassent tout. Mais c'est juste que c'est difficile. Bah ouais, dépêche-toi, dépêche-toi. T'es bien gentil. Je sais même pas si elle est cuite, celle-ci. Je crois qu'on a largement laissé plus d'une minute. Bref, on va recommencer une partie. Vite fait. Parce que je vais être certain de ce que je fais quand même. C'est nul si on comprend pas tout de suite ce qui se passe. Vas-y. Toc. Non. C'est bon. On va regarder le post vite fait. Gna 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 gna. Le mec qui triche, hein, vous l'avez vu. Je triche complètement. Jamais utilisé ces scènes pendant plus de 5 minutes. Mais Fail 1. Méchant avec moi. Prépare un plat à l'avance. Non, 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 on va faire ça au fur et à mesure. Tu me laisses pas cuisiner? Arrête. Non, mais oh. Tous ceux qui sont venus chez moi ne sont jamais pleins de ma cuisine. Jamais. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Ok, bon. C'est temps de se repérer avec les boutons. Et cette fois-ci, je le dis, je l'annonce. Pas une seule fois.
On relancera. Si je me loupe, tant pis pour ma gueule. Quoi ça sert? Bon allez! On a les bases, c'est parti. On y croit. Moi j'y crois très fort. Ça fait combien de temps que je suis en rediffusion? 45. Allez hop, allez, allez, allez. Steak de saumon et pommes de terre bouillies. Allez hop, c'est parti. Filet de saumon de 110 grammes. Assonné avec celle. Bon allez hop. Filet de saumon, vas-y viens là. Je te prends filet de saumon. Toc, toc, on referme ça. On va le poser là-dessus. Il nous faut filet de saumon avec sel, poivre noir. Sel. On commence avec du sel. Il est où le sel? Sel. Vas-y. Sel. Donc il en faut 5. C'est bien ça, hein. Revérifie au cas où. 5. Mec, complètement paumé. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Toc. Ensuite, il nous faut du poivre noir. Est-ce que ça nous dit quand le four est prêt? Ok. Ajouter dans une poêle. Huile de tournesol. 10 ml. Dans une poêle. 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 On a dit que les poêles étaient au-dessous. J'ai pas de poêle. J'ai pas de poêle? Poêle. Poêle. Bonjour, toi. J'ai pas de poêle? J'ai pas de poêle. Ah, si. Poêle. Dans une poêle. Vas-y, pose-toi là, poil. Huile de tournesol, 10 ml. Est-ce que j'ai de l'huile de tournesol ici? Ça, c'est quoi? Huile de tournesol, on l'a. Ouvrir la bouteille. Vas-y, j'ouvre la bouteille. On évite d'en foutre partout. Il nous faut 10 ml, on a dit. Donc, toc, toc. Pencher la bouteille. Voilà. Il y aura un petit peu plus, c'est pas grave. Ouvrir la bouteille, c'est bon. Toc. Donc, huile de tournesol, 10 ml. Filet de saumon, on le met dedans. C'est ça, hein. Toi, tu viens avec moi et tu vas là-dedans. Voilà. Ensuite, faire revenir 60 secondes de chaque côté. Mettre dans une assiette, servir chaud. Faut que je pense à m'occuper des pommes de terre aussi. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant. D'accord? Ce qu'il faut faire revenir de chaque côté, faire bouillir 120 secondes. Donc il faudra faire à peu près bouillir en même temps. Dans une casserole, 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 on a vu qu'il y avait une casserole ici. Grande casserole, j'ai pas des petites casseroles par hasard. On prend quand même une grande casserole, on s'en fout. Ou pas, oui ou non. Avec grande casserole, on s'en fout. Basta. Toc, viens là. Alors il nous faut de l'eau. 1000 ml de l'eau. On y croit. 1000 ml, on a dit donc 1 litre d'eau. Poignée droite, c'est ça? Hop là! Et c'est bon, j'ai arrêté le truc. Ok, 1000 ml, ensuite, il faut quoi dedans? Il faut de l'eau, du sel, 20 grammes. 20 grammes de sel là-dedans? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bon, je l'ai. C'est bon, on y va. Pommes de terre, il faut 300 grammes de pommes de terre. Est-ce que ça me le marque si je prends les pommes de terre comme ça? C'est quoi ça? C'est des citrons, pommes de terre. Et donc, ils ont dit 300 grammes. Le truc, c'est ça que j'aime pas quand je fais la bouffée, parce que moi, j'y vais avec n'importe quelle quantité. Je fais les choses un peu au hasard. Donc, une, deux. On a 300 grammes normalement là-dedans. Ensuite, faut faire bouillir 120 secondes. Pendant 120 secondes. Donc attends, faut d'abord que je fasse bouillir l'eau et qu'ensuite je... Spatule. J'y crois. Est-ce que je vais réussir ma première recette? On y croit ou pas? Bah, je sais ce que je suis en train de me dire, Dildo. J'étais en train de me dire ceci.
Ils ont mis ça, hein, 60 secondes de chaque côté. Si je pète l'écran, je vais me sentir tellement bête. Toi, je te prends et je te retourne. Vas-y, viens là. Tuck. Maintenant, faut que j'arrive à le remettre dedans. Et ça, c'est pas gagné. Alors, tuck. Alors, normalement... Comment je fais pour le faire descendre? Oui, c'est bon, j'ai compris. Mais non, mais t'es chiant. C'est vachement chaud de le retourner le truc. Voilà. Fais pas schtroumpf, on te raccroche ici. Deuxième sens. Toc, remets la même chose, s'il te plaît, chérie. Voilà, toc, toc. Toi, t'en es où des patates? On va prendre une assiette. J'ai une assiette quelque part. Assiette. Assiette. Basique. Oups! Assiette, vas-y, on recommence. Alors je crois que je peux récupérer les pommes de terre. Qui sont normalement assez chaudes. Est-ce qu'il fallait que je les coupe ou pas? Non, apparemment elles ont pas besoin. Peut-être que j'aurais mieux fait les laisser là-dedans en fait. Je vais peut-être juste couper le feu et les laisser là-dedans. Je fais n'importe quoi, c'est terrible. Et les une. Retourne le saumon, retourne le saumon. C'est marqué ça, faire bouillir l'eau et... Faire bouillir 120 secondes. Parce qu'ils se sont dit, ajouter dans une casserole, faut ajouter tout ça. Moi, je me suis dit, c'est bon. Bon, on verra bien, toc. On part du principe que c'est bon, vas-y, toi, tu t'arrêtes. Hop là. Vas-y. Ça ressemble à rien, on s'en fout, on y va comme ça. Vas-y, on prend une photo. Toc, toc, toc. Tu fais comment pour faire une capture d'écran? Toc, voilà. On y va, on va voir ce qu'il va me dire. À 46 secondes de la fin. Ah, ah, ah. Wouhou! J'ai réussi ma première recette. Oui, c'est pour ça que j'ai sorti les pommes de terre quand elles étaient cuites, en fait, quand elles étaient vertes. Donc, voyons voir ça. Il a payé 36, je sais pas ce que c'est. On va appeler ça des C. 36 C. Pour boire 7. Assiette retournée 4. Réclamation du client. Steak de saumon, arôme. Trop d'huile de tournesol. Oui, j'ai vu, merci. Erreur de cuisson sur le filet de saumon. Comment ça, erreur de cuisson? Comment j'ai pu faire une erreur de cuisson? Comment j'ai pu faire une erreur de cuisson? Qu'est-ce que je fabrique, moi? Attends, déjà, faut que j'arrête ça. Je peux pas attraper les assiettes avec une assiette? Mais quelle est cette arnaque? J'ai une soupe à la tomate. Attends, la soupe à la tomate, j'arrive. Au pire, je le ferai après, ça. Soupe à la tomate. On se dépêche, parce qu'en fait... Alors, bouillon de poulet. Ajoutez dans une casserole. Bouillon de poulet. Alors, attends, 3, déjà 30 secondes. Est-ce que je peux... Voilà. Donc, ajoutez. Dans une casserole. Toi. Mélange de 13 millilitres. Hop là. Toc, toc. On va l'accrocher où? Elle était accrochée là, je crois. Ok, alors, bouillon de poulet, 700 ml. Je crois que le bouillon de poulet, on l'avait vu là-dedans. 1 litre. Fais gaffe à ce que tu fais, Iti. Attends, faire bouillir 60 secondes. Mixer. Ajouter crème fraîche, verser liquide. 300 ml dans une assiette creuse. Servir chaud. Alors, bouillon de poulet, 700 ml. On commence avec ça. Donc, toc... je suis dedans, ouais, je suis dedans, je crois.
Ouah, 699. Non! Il y en a 707. Je peux pas y aller avec une petite cuillère et Attends, on va la remettre au frigo. Pourquoi je peux pas la reposer là? Pourquoi je peux pas? Mais c'est nul! Bon, ok, 700. 708, à peu près. Sel. Sel, il faut 12 grammes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tac. Poudre noire, 12 grammes. Poivre, non, 12 grammes. Non, j'ai mis 13. Zut, j'ai pas compté correctement. Piment de cayenne, poudre, 6 grammes. Est-ce que j'ai du piment de cayenne en poudre? Si, c'est bon, je l'ai. Poudre, 6 grammes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va y aller doucement, hein, encore une fois. Ok, ensuite, il reste 4 minutes 19. Ok. Un tomate, 960 grammes. Des tomates, ça. 960. Donc, 1, 2, 3, 4. 4, ça fait... 4, ça fait combien? 5. 5, ça nous fait 600. On avait dit combien? On est à 600 là. 600 et 960. Punaise. 600, 960. Je suis nul en calcul mental. 600, 720, 840, 960. Donc normalement on y est. 960 et il nous faut oignons, 120 grammes. Est-ce que les oignons on les balance directement comme ça dedans? Il n'y a pas besoin de les éplucher? Il en faut combien? Il en faut 120 grammes. Ok. Ah c'est bon, il les épluche tout seul. Ok, d'accord, c'est bien. Ensuite, faire bouillir, 60, mixer. Donc, on va y aller comme ça. Toc, toc. On a dit 60 secondes. C'est ça? Voilà. Il va nous falloir un servir chaud, verser le liquide dans une assiette creuse. Assiette creuse, il nous faut une assiette creuse. Bonjour, aurais-je une assiette creuse? Assiette basique, grande assiette, assiette à soupe. Un bol, assiette carrée, assiette, grande assiette. Bah, assiette creuse, c'est quoi? Une assiette à soupe, voilà. Voilà, ça c'est bon. Crème fraîche, il nous faudra de la crème fraîche, donc on va prendre de la crème fraîche, qui sera plus fraîche. Crème fraîche, voilà, vas-y, voilà, toc, 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 toc. On reste calme. Dring. C'est bon, arrête-toi, toi. Non, mais c'est bon. Il me dit que la soupe est pas cuite, en fait. Si? C'est bizarre. On avait dit mixer d'abord. Ou alors, faut continuer à la faire chauffer. Ce qu'ils me disent que la soupe est pas prête. On va d'abord mixer et on va la remettre après, au pire. Tout est normal. Je vais remettre à chauffer le temps que ça se finisse. Ajouter de la crème fraîche. La crème fraîche, il faut que j'en rajoute combien? 150 millilitres. Donc vas-y, j'y crois. Elle est encore en train de chauffer.
Et ensuite, il faudra que je prenne mon assiette et que je serve. Bon, l'assiette, elle est là. Je sens que ça va être catastrophique. À croire que t'as jamais fait de soupe. Mais c'est de la soupe, Alice! T'imagines, rien que le mot soupe, c'est écœurant déjà. Donc, ok. On attend que ça chauffe. Il me reste combien de temps pour la servir? 34 secondes? Mais ils font schtroumpf, eux! Je suis trop lent. Je suis trop lent. Ça va jamais faire cuirasser, ça. Ça va être n'importe quoi. Allez hop, c'est bon. Attends, comment on verse? Sérieux, il se... Waouh! Sérieux? Oh, puis zut, il en aura trop, c'est pas grave. Tiens. Ah, ce truc! C'est mauvais! C'est mauvais! C'est délicieux? Comment ça, c'est délicieux? Soupe de tomate, pourboire, 1. Gagner du de la renommée, 1. Je vais voir un peu. Parfait, technique, mauvaise quantité de produits. Ouais, mais je sais, mais en même temps, t'as vu comment ça se verse ton truc? Sérieusement? Normalement, tu dois prévenir le client Iti, mais moi je suis allergique, je te la renvoie. Et c'est marqué dans la recette. C'est ce qu'il a demandé. Après, s'il veut des particularités, bah, il le demande dans la recette, c'est tout. Voilà. Prépare-toi pour demain. Ah, mais attends, il reste 800. On va déjà ramasser ça. Toc, toc. On va couper la rediffusion après. J'ai 3 minutes 36 pour nettoyer mon chez-moi. Toc, 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 toc. Parce qu'on a combien de rediffusions? On a 1 heure, 1 heure, 1. N'empêche, c'est dommage que je prends pas le temps de vous lire. Faudrait que je fasse des courtes pauses. Mon toit. Mixeur plongeant, tu vas aller là. Tu sais pas ce que ça veut dire, ça, tu vas aller là? Voilà. Ça, j'ai laissé là, parce que je crois pas que je puisse le reposer dans le frigo. Il y a une tâche dégueulasse. J'ai envie de tenter un truc. J'avais déjà vu Mister MV faire ça à un moment. On va faire la même chose. Voilà, un petit coup d'éponge. Toc. Comment je fais pour passer l'éponge? Nettoyer. J'ai bien coupé ça, c'est bon. On repose l'éponge où on peut. Attends, je peux pas la poser ici. Bon, ben on va la poser là alors. Parce que eux, ils les ont posés là, moi j'ai pas le droit. Vous avez vu comme c'est pas juste? Ensuite, ça j'avais pas lu, tiens. Toc, toc. La poêle, elle a l'air propre. La casserole, je vais la laisser là-bas, j'en ai une deuxième. Il me reste 2 minutes 16. On n'a qu'à dire que je suis doué, hein. Iti sont 3 d'émission. Comment ça? T'en sors mieux avec les lettres. Ah, j'en sortais mieux avec les lettres, c'est vrai, pour l'autre jeu. Maison, c'est super bon. Par contre, j'ai versé beaucoup trop, en fait. Acide creuse égale acide à soupe, d'accord. On n'a pas le droit de... À dire que la crème fraîche, faudrait que je la dépose... On verra ce qu'il me dit après. Attendez, on va voir, on va voir. Au pire, on essaiera de refaire la même recette. Parce qu'on va pas jeter, je sais pas combien de grammes de crème fraîche. De crème fraîche de soupe. Ce serait terrible, non? Ça, c'est éteint. Là, tout est éteint, tout est éteint. On est bon? Tout est à sa place, tout est rangé, tout est propre. Est-ce que je peux nettoyer ça? Au pire, je fais comme ça, attendez. Toc. Toc. C'est bon? Bah non, c'est pas bon. Comment je fais pour me débarrasser du sel et de...
Il y a du sel. Comment je fais? Je sais pas. Oui. Je viens de me rappeler que ça venait de cookie. C'est quoi? Cook serve delicious. C'est juste qu'on a pas le droit de se faire prendre. Exactement, Isidore, t'as tout compris. Ok, bon, ça c'est bon. Bah, du coup, je sais pas comment enlever ça. J'ai nettoyé avec une éponge, j'ai nettoyé avec de l'eau, j'ai essayé du moins. Donc, je sais pas. Vu que le plat est pas couvert. Non, mais au pire, on en refera, c'est pas grave. Mais ça me rend triste de jeter, je sais pas combien de soupe là. Est-ce que je peux la stocker quelque part? Non, mais attends, j'avais encore le truc dans mes mains! Jour 1, renommé, ok. Commande 2, commande terminée 2. Non, vous imaginez combien il va falloir que j'en fasse par jour? Dépense 29, j'ai gagné 43 de bénéfices. On peut mieux faire. Attention! Niveau 1! Salut Transformers Boo, comment vas-tu? La poubelle directement? Choisir une perk. Expert, recevez 3 points de compétences en plus si vous ne débloquez pas de perk. Maintenez Shift appuyé pour maintenir les produits en place pendant qu'on les coupe. Main stable. Pied rapide. Space pour alors, appuyer sur Space, c'est pas logique d'appuyer sur Space pour marcher plus vite. Assiette incassable. Les assiettes ne casseront jamais. Oh, plus personne n'embêtera avec l'assiette. Bouteille incassable. Ok. Gants résistants à la chaleur, attrapez et portez les ingrédients chauds à la main. Longue portée, plus longue portée quand vous attrapez ou posez des objets. Ça renommé, ok. Vision thermiconée à température des ingrédients dans le four fermé. Intéressant. Connexion, score exigé moins élevé lors des examens de critique gastronomique. Journée bien remplie. Commencez chaque journée avec 2 objectifs au lieu d'un. Non. Nanananananana. Ralentissement. Le temps ralentit lorsque vous coupez les ingrédients. Accélérateur de temps. Une fois par jour, ajoutez 1 minute à toutes les commandes actives. Intéressant. Remonteur de temps. Une fois par jour, remontez le temps disponible pour une commande. Analyseur de plat. Vérifiez le score du plat avant qu'il soit servi au client. Redéterminer une commande. Une fois par jour, en plein tour de touche de magie. Recevoir une baguette magique qui enlève toutes les tâches et les tessons. Mais c'est nul. Coucou Beryl, Berylol, Beryl Oz, je réussirai à le dire. Overwatch, j'imagine. Bonne soirée à toi, Lura, merci d'être passé, prends soin de toi, fais de beaux rêves, amuse-toi bien aussi, et à la prochaine. Salut Seiya, comment vas-tu? Je t'ai déjà dit bonjour, je sais plus. Auto-doser les plats, ce serait pratique. Ça fait plaisir, merci GuideFeuFR. Minecraft avec la team, c'est vieux, ouais. Alors, ça pourrait être intéressant. J'ai peur du machin gastronomique. Au pire, on va voir. Attendez, on va prendre des trucs qui me font gagner du temps. Ah, il y a ça aussi. Les clients paient 10, 30, 50% de plus pour les commandes sans que ça affecte la note. Ouais, j'aurais dû prendre vision thermique au pire. Mais normalement, on a le timer à côté, donc on est censé faire avec le timer maintenant. Pour plus d'XP, ouais, mais non, parce que déjà que j'arrive pas à gérer une tâche, alors imagine 2 tâches. Ah, mais en fait, non, c'était des objectifs, c'était pas des recettes. Moi, j'ai compris que c'était des recettes à la base. Point de cuisine en plus pour les plats servis. Ok, vos récompenses pour les objectifs tenus sont 10, 30, 60% plus importantes. Ça pourrait être intéressant. Il y a des centaines de points différents. Il y a des centaines, j'abuse. La décoration de la cuisine coûte 20, 40, 60% moins cher. On peut décorer la cuisine. 50, 60, 90% de points d'expérience en plus pour les étoiles des plats. Enchaîner des plats obtenus. Ce serait pas sympa ça. J'en prends un comme ça. Direct. L'expérience, c'est intéressant. Enchaîne des plats obtenant 4 étoiles pour gagner 20 de renommée. Bon, ça, la renommée, on va éviter. 2 points de réputation en plus. Et liquide coûte 10, 20,
40% moins cher. Les produits coûtent 10, 20, 40% moins cher, ça pourrait être intéressant. Acheter et améliorer les recettes coûte 60, coûte 20, 40, 60% moins cher. Les réparations des machines coûtent 10, 30, 50% moins cher. Les épices coûtent 10, 1. Les pourboires laissés par les clients sont 20, 1, plus important. L'équipement est réparé à 1, plus rapidement. Les attentes des dépeurs et les gastronomes sont 10, 1, plus basses. La tolérance aux gouttes sur les plats sont augmentées de 10, 1. La durée de la phase de nettoyage est prolongée de 10, 20, 40, 80%. Je vais prendre ça, parce que je le veux. Phase de préparation prolongée, non. Temps de service du plat supplémentaire. Le temps disponible pour servir le plat est prolongé de... Ah non, mais c'est ça qu'il a fallu. Brûlage plus lent. Refroidissement plus lent. Équipement solide, d'accord. Protecteur de réputation. Attendez, je vais prendre ça. C'est de temps dont j'ai besoin, moi. C'est bon, j'ai plus de points. Jour 2. Dans 1 heure, nous ouvrons prêts pour faire les affaires. Voilà. On verra ça après. Donc, pause, il va falloir que je relance la rediffusion quand même. On est d'accord que le temps n'avance pas si je mets le jeu en pause. Le timer est imprécis, comment ça? Bonne nuit, Dildo! Je vais massacrer l'Athénien, ok, amuse-toi bien! Enfin, je dis bonne nuit, mais ça se trouve, tu repasseras, je sais pas. Amuse-toi bien en tout cas sur Odyssée. Prends soin de toi et à la prochaine. Du coup, je vais couper la rediffusion ici, en espérant que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable. Et j'ai pas encore lancé le truc. Pourquoi j'y pense pas le matin? Pourquoi je fais ça? Ça sert à rien ça. Voilà. Ça marche mieux comme ça. Parce que quiche, ça veut rien dire. Voilà. Pardon. Du coup, comme je disais, on va couper la rediffusion. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstage.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous encore une fois. Et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. Punaise, elle est longue celle-ci, une rediff. Allez, à tout de suite. Pum 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 p